Ici, là, sur le site d'Abzac, donc sur la Croix-aux-Loups, on extrait de l'argile pour assurer donc l'approvisionnement de notre usine de Roumazière-Loubert qui va produire voilà, des tuiles et des accessoires en terre cuite. Pour les rejets dans l'environnement, on doit respecter un seuil, un niveau de matière en suspension dans l'eau. Et donc, nous, on est obligé de traiter notre eau pour qu'elle ne ressorte pas trop boueuse et qu'elle ressorte claire dans le milieu naturel. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'entreprise CTP pour mettre en place une solution qui nous permette de traiter l'eau de la meilleure des façons possibles pour respecter ces normes de pollution. CTP Environnement est devenu depuis 1926 un des leaders nationaux sur le traitement des effluents industriels, avec plus de 220 collaborateurs et 38 millions de chiffres d'affaires. Le géofloc est une unité de conditionnement chimique des effluents. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on va préparer les effluents à être traités pour pouvoir être rejetés au milieu naturel chez nos clients. L'instrumentation mise en place dans le géofloc est basée sur la mesure de pression, la mesure de niveau, et l'ensemble communique avec notre automate via de l'IO-Link. Les solutions IFM installées dans le géofloc sont des capteurs de pression et de niveau qui permettent de piloter automatiquement l'unité via une communication IO-Link. L'ensemble de la filière va tenir ici dans un container 40 pieds, ce qui fait que c'est très facile à mettre en place pour le client et c'est très optimisé. Dans le container, on utilise plusieurs solutions IFM, à commencer par des capteurs pour le niveau, ce qui nous permet de contrôler en fait la hauteur de l'eau dans nos bacs, ce qui a un impact déjà sur la sécurité de notre process et deux, sur sa régulation. On a également un ensemble de capteurs de pression qui nous permettent de contrôler donc la pression à différents endroits de notre process. Alors l'intérêt d'IO-Link, c'est que ça nous permet donc de centraliser tous les signaux des capteurs afin d'optimiser le nombre d'entrées au niveau de notre automate. Aujourd'hui, l'IO-Link a beaucoup apporté à CTP Environnement. Gain de câblage, gain de programmation, mais c'est aussi un véritable outil pour récupérer énormément d'informations sur le fonctionnement de l'installation grâce à un réseau simple et intuitif. Le niveau de sécurité et de performance nous convient aujourd'hui. Donc si on peut, on essaiera de mettre en place ça sur les autres carrières. Nous rencontrons régulièrement CTP dans l'année pour échanger sur les innovations qu'on peut leur apporter et eux sur la partie performance que leurs clients leur demandent. Ce qui est important pour moi chez IFM, c'est cette proximité qu'on a avec nos interlocuteurs. Des interlocuteurs toujours disponibles, toujours réactifs, qui répondent à toutes nos questions. Aujourd'hui, pour nous, IFM, pas un sous-traitant, mais pas un fournisseur. C'est un véritable partenaire.